Pourtant, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Il y en a même quelques-unes d'entre vous qui m'ont écrit savoir quand est-ce que j'allais faire un vlog. Ça me fait trop plaisir de savoir que vous ennuyez de moi. Mais j'étais occupée. La vie roulait à 100 000 à l'heure. J'avais pas assez d'heures d'une journée pour faire tout ce que j'avais à faire. Ça fait que vlogger était même pas... Je pensais même pas à ça. Parce que ça allait juste trop vite. Mon homme a fait de l'overtime. Fait que j'étais seule avec les enfants. Fait que c'est ça, j'avais pas le temps. Mais là, en ce beau lundi, début de semaine, j'ai pensé vlogger ma journée. On a une journée quand même assez occupée. Hier, j'ai texté mon homme. Puis moi là, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont proches de moi, vous savez, ça fait au moins 15 strollers que je jette pour les enfants. J'ai eu mon simple avec le travel system, avec le cursey, puis la base, puis tout. Au début, quand j'étais enceinte d'Anthony, après ça, là, j'ai acheté un carrosse parapluie parce que je trouvais ça plus facile et moins gros. Après ça, là, quand j'ai eu ma lettre, j'ai acheté un double stroller, mais un sit and stand, puis ça marchait pas en tout. Anthony voulait pas rester assis juste comme en arrière, ça fait que ça marchait pas. Après ça, là, j'ai acheté un double stroller, vraiment comme deux sièges. Puis ça non plus, ça marchait pas parce que comme ça roulait juste pas en fait. Comme il fallait que tu pousses à bout de bras pour que ça roule. Après ça, là, j'ai acheté un mini double stroller, comme un genre de parapluie. Puis ça aussi, on dirait que ça roule pas bien. Je sais pas si c'est juste parce que j'achète moins cher que ça roule pas bien, mais en tout cas. Fait que là, ça fait un petit bout que je regardais pour un stroller double encore. Puis Luc m'avait dit comme les deux dernières fois, là, comme t'achètes plus de stroller, on a rien assez, tu l'achètes, tu le vends. Je sais, mais j'ai pas encore trouvé le bon. Puis là, je sais que mes enfants sont rendus plus vieux, mais Anthony déteste quand on va marcher, là, il déteste marcher. Fait que lui veut tout le temps embarquer. Fait que ça m'en prend un avec la petite, puis que je peux mettre Anthony dedans. Malek, lui, il aime bien driver son bicycle ou juste marcher à côté. Fait que là, j'en ai trouvé un, mais comme vraiment beau, là, que tu peux flipper les sièges. Comme face à face, tu peux les flipper les deux face à moi, les deux face par en avant. En tout cas, tu peux faire n'importe quoi avec. Fait que là, je m'ai tout débarrassée de mes autres. Puis, ben, presque tout, là, il m'en reste pas à vendre. J'ai tout débarrassé ça. Puis là, tantôt, on va aller le chercher. Ça, c'est surtout pour le camping city, là, comme, tu sais, je veux avoir quelque chose que je peux traveler toute ma gang. Si Malek veut vraiment embarquer dans le cursey, dans le carrosse, ben je mettrai mon pack-sac avec la petite. Puis j'embarquerai les deux gars dans le carrosse. Parce que ça, Pierre-Luc va travailler, puis au camping, tu sais, je vais être capable de me promener quand même. Puis sinon, juste même aller marcher, là, ça va être beaucoup plus pratique. Puis il y a juste comme ces deux roues simples en avant, c'est pas des roues doubles. Fait que je vais croiser de vous que ça va marcher. Fait que là, on va aller chercher ça dans l'eau. Puis là, je veux vous parler de ma nuit bizarre, mais comme bizarre next level. Comme je sais même pas, je réalise même pas quelle sorte de nuit j'ai eu. Si tu peux appeler ça une nuit. Pierre-Luc a fini hier soir à 9h. J'ai arrivé ici, il était 10h. Puis, il travaillait de nouveau, comme là, ses chiffres ont changé pour cette semaine. Fait que là, il travaillait à matin à 5h. Mais comme que c'est à 45 minutes de chez nous son travail, il fallait qu'il se levait à 3h30 pour décoller à 4h. Ça fait que par le temps qu'il est arrivé, il s'est couché, il était comme 11h30. Puis Malek s'est juste couché à 11h30 lui aussi. À 3h, je me réveille, puis Malek jasait dans sa chambre. Ça fait que j'ai été voir, là, j'avais oublié la TV allumée, puis là, lui, il était bien content, il écoutait ses cartoons. Mais c'est parce que c'était le milieu de la nuit, là, c'était pas le temps de... Excusez-moi, pardon. C'était pas le temps de watcher les cartoons.
Ça fait que là, j'ai été former la TV. Puis le réveil matin à Pierre-Luc a sonné, mais comme pour ceux qui le connaissent, là, lui, là, il peut snoozer là, 25 fois avant de se lever. Là, mais on s'entend qu'à 3h30 du matin, là, c'est pas le temps de snoozer. Si tu veux m'avoir mal patiente, là, snooze à 3h30 du matin. Okay. Fait que là, après. Allô, ta soeur! T'as vu ton casque de Marshall, là? Maman, elle s'en vient. Fait que, petite histoire courte, je l'ai courte. Après la deuxième fois qu'elle a snoozé, j'étais comme non, comme, faut que tu te lèves. C'est pas vrai que tu vas snoozer à 3h30 du matin. Je sais qu'il était fatigué, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'il s'avait couché tard. Mais pareil, comme, je voulais que le reste de ma gang dort, mais c'est parce que non, ça a réveillé la petite. Elle a pris 1 heure à dormir. Malik, à 4 heures, dormait pas encore. Fait que là, tu vois, il est rendu 9h, puis il se lève juste. Fait que c'était comme une bizarre de nuit, là, comme tu sais, que lui se lève, comme ça, là. J'ai demandé de fermer ma porte pour pas me réveiller, puis finalement, là, il l'a oublié ouvert, puis là, en tout cas. Fait que mon quotidien matin, mes petits cheveux et ma face fatiguée vous fait montrer à quel point j'ai pas bien dormi. Fait que oui, c'est ça, c'était une bizarre de nuit. Puis là, pour ceux qui me suivent sur, ben, qui est sur mon Facebook ou qui est de la région, vous avez vu que je suis décollée sur un vendage de stuff. Là. J'ai la tête, moi, c'est pensé que la tête me spin. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai tout flippé mon sang en bas niveau. C'est une journée que Pierre-Luc faisait de l'overtime. Fait qu'il était pas là pour me dire non. Fait que j'ai été flipper mon salon de bord. Là, je suis en train de vendre un paquet d'appareils de décoration que j'utilise pas, qui est dans la cave, puis qui prend la poussière. Fait que je suis tout à refaire un ménage de ça, ménage des jouets des enfants, parce que là, la fête Anthony s'en vient. La fête de la petite aussi. Fait que je suis dégoûtée, c'est un clean-up. Fait que là, depuis le matin, je cours comme une poule, peut-être. Je mets des affaires dehors, steady, parce que je veux pas avoir. Contact, fait que le monde paye par les transferts, puis moi je mets ça dehors, puis les ramasse. C'est ma mallette là. Hein? Ta mallette. Oui, c'est ma mallette, t'as ramassé ça dans la cave. Fait que, ouais, c'était une journée qui commençait à rusher le matin. Donc, tout le monde venait nicher leurs affaires aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que là, pour les plans de la journée, on va aller chercher le carrosse. Mais ça, je pense que ça va juste être comme plus tard à soir. Pierre-Luc m'a laissé le Jeep, fait que je pensais peut-être aller prendre une drive, mais là, il vend comme vraiment là, beaucoup. Je sais pas comment est-ce qu'il fait dehors, là. En fait, mais ça, j'ai comme trop de choses à vous dire, ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé. Fait que là, on va aller voir la météo, hein. Il fait 5 degrés, puis il annonce plus 13 euros. Il annonce comme le beau soleil, mais tu vois, là, c'est des vents de 27 km/h. Il vend pas mal. Mais regarde, il fait beau soleil, fait qu'on se lamentera pas. Sinon, j'ai un craving de sushi intense, là, comme Next Level, encore une fois. Fait que Pierre-Luc passe par la ville pour s'en venir. Fait que je vais peut-être lui demander de me ramasser un petit quelque chose. Je crave aussi pour une crème glacée. Pour ceux qui sont par ici, là, à l'Igloo, ma mère a goûté les dips caramel salé, pas d'ici retardé. Fait que j'aimerais. Ça fait comme 2 jours que je donne des hints que j'aimerais en avoir, puis je l'ai pas encore eu. Fait que je vais peut-être aller chercher ça. On va peut-être faire une drive à la crème glacée. Chercher ça. Oh, t'as trouvé ton bac à souliers, hein? Quoi d'autre? J'avais commencé un vlog pour la roulotte, mais comme que j'ai expliqué sur Instagram, je suis pas toujours là-dedans. C'est que ça va être un vlog que j'accumule, puis mais que j'ai fini, ben là. Je l'éditerai, ça fait que, en attendant, je vais faire un vlog de ma journée, comme que je fais d'habitude. J'ai assez hâte d'aller camper. Vous pouvez même pas imaginer. Comme j'ai commencé à sauter mes affaires, là. Fait que j'ai hâte de faire monter ce vlog-là. J'ai aussi, comme j'ai dit, la fête des enfants qui arrive bien vite. Puis vu que les gars, vu que Malik a pas pu fêter sa fête parce qu'on était dans le. Je pense qu'on était soit dans la phase rouge ou jaune. Ça, on a pas été dans la phase rouge. Rouge ou orange. Je pense que c'était dans la phase orange qu'on avait juste droit à voir une couple de personnes. Fait que c'est ça, j'avais pas pu fêter sa fête. Puis là, vu que je veux comme limiter les contacts, parce que je suis craintive avec la petite qui est jeune, puis même avec les enfants, je veux pas.
Je veux pas avoir trop de contacts. Je pensais faire une fête combinée pour les trois, pour cette année, au camping au mois de juin. Fait que je suis en train de mijoter ça. Il y aura chacun leur gâteau, ils auront chacun leur chose, mais ça va être une journée combinée avec le monde qui va être là, avec la famille proche. Fait que c'est ça qui me trotte dans l'idée. Là, j'ai commencé à chercher pour des petites choses. Et ouais, c'est ça. Là, je vais aller m'occuper de mes flots, la petite dodo. Elle a commencé à faire des crises de bacon. J'étais pas prête à ça, à ça. Tu sais, madame a 11 mois, puis elle se garouche déjà par terre, puis elle fait l'étoile, puis elle se tortille comme un bacon, puis les grosses lames, là. Elle a du caractère! Oh, t'es nice! Puis tout à l'heure, je fais ça avec ma mère, puis elle a bu, elle a dit, oh my god, que c'est ça! Fait que, ben, je vais aller finir mon café. Je vais le réchauffer pour commencer, parce que ça fait déjà comme un an qu'il traîne sur le comptoir. Puis on va... Oh, viens faire montrer comment t'es beau. Viens faire montrer comment t'es beau. Oh, pédale! Ah, le beau garçon. Viens aller à la caméra. Fait qu'on se reparle tantôt. La belle sacoche. Hein? T'es un joueur de soccer slash Marshall le pompier? T'es beau. Ah oui, tu vas avoir des scènes. Maman va t'en donner des scènes. Ah tiens. Tiens, maman, une scène ici. C'est merci. Ma petite dose de bonne humeur en soleil du matin. On écoute-tu, Mylène? Good job. Vous avez vu sur Instagram que je m'avais acheté le plus cute chapeau ever au monde. Ça fait tellement longtemps que je regarde ces chapeaux-là et je me dis que ça allait pas bien faire. Et si vous trouvez que ça me fait pas bien, ben dites-moi les juste pas parce que moi je l'adore. Et je le voulais en couleur comme rouille. Puis là, si vous écoutez, j'en ai du bruit, c'est juste ça puis qui est extra bruyant. Fait que c'est ça, ça faisait longtemps que je zitais ces chapeaux-là puis j'osais jamais. Puis là, j'ai osé puis je l'adore. Il est juste trop beau. Puis ça va être parfait pour cet été au camping. Fait que c'est ça. Il y en a plusieurs qui m'avaient écrit pour que je le mette pour voir qu'est-ce que ça donnait. Fait que j'ai vu que sur leur site, ils étaient en précommande parce qu'ils ont décollé comme ça quand ils ont sorti la première fois. Fait que c'est Lou Accessoires, c'est fait au Québec. Pour ceux qui connaissent, Vicky Fortin, qui faisait Mère à bout, c'est elle qui est là-dedans, derrière cette compagnie-là, avec quelqu'un d'autre, je pense. Mais ouais, c'est ça. Fait que je l'adore, il est juste trop parfait. Puis, tout à l'heure, je me regardais dans le miroir, puis j'ai m'apercevoir que mon chandail préféré de Betty Boo est déteint. C'est comme si qu'il y a comme du jarret, ça a été dessus. Parce que c'est juste cette plaque-là, puis je me souviens pas que c'était comme ça. Fait que je suis comme déçue un peu. Mais regarde. De toute façon, c'est bien la mode des choses éteintes. Fait que. Va peut-être être à la mode, mais tu sais, c'est comme juste là. Je comprends. Puis tu es réveillée. Ah, Didi, bon matin. Hey, t'as la plus de bonne humeur que tantôt. Oui? Mmh.
Allô, je vais prendre un gros ice cap salted caramel, s'il vous plaît. Oui. Puis, t'as-tu des muffins aux carottes ou aux bleuets? Des carottes et des bleuets, oui. Ok, je vais prendre une muffin aux bleuets, puis un bagel plant au service du bar. Non, c'est tout. Merci. Là! Attends un petit peu. J'ai venu m'installer 5 minutes au parc de la plage. Parce que les enfants avaient besoin de sortir. Puis moi aussi. Fait que j'ai été me chercher un gros ice cap. Là, vous voyez pas, Ben. À cause du soleil. Un gros ice cap ou salted caramel, comme. C'est juste trop bon. Fait que c'est ça. Je suis venue. Un petit 5 minutes sortie, prendre un drive. Oh, oui, ça coule. En Jeep. Pour dégourdir les enfants parce qu'Anthony a de la thérapie à 1 an. Ouais, c'est un petit peu. Comment je pourrais dire? Chaotique avec. Avec Malek. Ces derniers temps. Il a extrêmement beaucoup d'énergie, puis c'est un petit garçon qui a besoin de bouger beaucoup. Fait que le fait qu'on est à maison plus souvent, il a moins la chance de dépenser son énergie. Fait que il vient cabin fever, puis il vient out of control, il garoche tout partout, il écoute pas, en tout cas, je vous laisse imaginer le scénario. Fait que là, ouais, ça va faire du bien d'avoir changé d'air un petit peu. Fait que là, c'est sûr, Anthony a de la thérapie. Dans une demi-heure. Puis, c'est ça. J'avais juste besoin d'un petit remontant. Ça fait tout le temps du bien au moral. Puis, j'en profite tout le temps quand les salted caramel ice caps sont sortis parce que c'est la chose la plus bonne au monde. Avec de la crème fouettée puis tout. Ça fait que c'est garanti que ça te remonte le moral. Là, j'ai parlé à Pierre-Luc. Puis, il sait pas exactement à quelle heure qu'il va finir. Puis, moi, je vais avoir des sushis. Fait que là, j'attends qu'il me donne une réponse pour que je puisse commander au Yuzu. Puis, en passant, il va le ramasser. Puis, ma mère, oh my god, c'est trop drôle. Ma mère, là, elle déteste les sushis. Puis, fait qu'elle connaît rien là-dedans. Puis un matin, j'ai texté pour lui dire que j'allais manger des sushis. Puis j'ai envoyé une photo de qu'est-ce que je voulais. En tout cas, elle me répond. Non, je vais vous mettre une photo là, de la conversation de là. Mais elle me répond. Parce que je voulais avoir un nacho de sushis. Je vais vous faire montrer tantôt. Mais elle dit. Ok, ben je veux un Thai chicken, qui est un Tao chicken, qui est un bol, avec du riz. Puis elle dit, je veux avoir un Tina Tortinade Nacho. J'étais crampée de riz, là, comme. Là, après ça, là, elle me réécrit de nouveau, j'ai dit Tina Tortinade avec un point d'interrogation. Ben oui, vous voyez là, la conversation. Elle dit Tina, vous voyez qu'est-ce qu'elle m'a répondu. Là, elle voulait avoir un tuna nacho, en tout cas. Là, c'est peut-être pas comique, là, mais c'était trop comique de l'avoir essayé de commander quelque chose puis qu'elle savait pas un peu de quoi qu'elle parlait. Maman, je t'aime pareil, mais c'était trop drôle. Fait quoi, c'est ça. Je vais me commander ça pour souper. Fait que j'attends juste que mon homme m'écrit pour savoir quelle heure que je commande. Ça va être trop bon. Puis c'est ça, là j'ai encore du monde qui vient acheter des choses à la maison, fait que je m'enligne bientôt. Mais je suis curieuse de savoir vous autres, quand est-ce que vous avez des mauvaises journées, qu'est-ce que vous faites pour vous remonter le moral. Moi là, du soleil dans la face, une bonne petite drink, puis juste sortir de la maison, c'est ça que ça me prend.
Surtout que je suis toujours à la maison. Mais je suis curieuse. Marquez-moi ça en commentaire, voir qu'est-ce que vous autres vous faites. Peut-être ça me donnera des idées pour les prochaines fois. Ok. Ouais, c'est ça. Je suis de bonne humeur du monde. Pour dîner, on mange la sauce à ma belle-mère, bœuf créole. Et j'ai mis ça sur du riz que j'ai fait chauffer 2 minutes au micro-ondes. Puis j'ai crumblé du feta dessus. C'est vraiment bon. Ça a l'air comme weird là, mais c'est vraiment bon. Bon appétit! J'ai la meilleure maman du monde. Elle a mis mon porte-là comme un crème glacée. Bien. Vous avez vu mon nouveau carrosse? Malek a trop du fun à se promener dans la maison. Puis tu sais, on n'a pas la maison la plus grande au monde. Fait que c'est vrai. Mais je suis vraiment contente parce que... Combien de carrosses j'ai acheté en tout? J'ai au moins acheté 2 ou 3 carrosses doubles. Puis ça marchait jamais. Puis je finissais tout le temps par les vendre. Mais comme si j'avais acheté celui-là du début, j'aurais pas eu besoin d'acheter d'autres. Mon chum a approuvé, mon homme a approuvé, puis ça conduit vraiment bien. Fait que j'ai hâte d'aller prendre des petites marches avec les enfants. Pour l'instant, c'est Pitou puis Harmony qui se promènent dedans, les deux toutous à Malek. Fait que je sauvais la pièce de résistance pour déguster avec vous autres. Vous avez vu, j'ai mangé des sushis. Je vous avais dit tantôt que Pierre-Luc allait en chercher. Puis, au lieu de prendre juste des sushis comme que je prends à tous les fois que je mange du yuzu, j'ai essayé deux choses sur leur menu. C'est dans le nouveau menu. Les nachos
avec du tartare de thon dessus. C'était retardé. C'était tellement bon. Faut que t'aimes le ipsy par exemple parce que c'était, ma foi, vraiment ipsy. Mais le goût là, comme j'aurais jamais pensé manger ça comme ça, mais c'était juste trop bon. C'est pas la dernière fois que je mange ça. Fait que ça. Puis j'avais pris les mini burgers. Ben moi quand je l'ai commandé, là, je pensais que ça allait être comme un burger. Mais ça arrivait, c'est tous des petits mini burgers comme trop bon. Moi j'avais pris le Winnie, je pense. Puis là-dedans, il y avait. Ça dit là, que tu as du. Je pense que c'est du smoked salmon. Du saumon fumé. Ou de la tweed fumée. Je sais pas si les deux sont mélangés ou si que tu peux avoir de celui-là, un des deux. Mais ça, il y avait des betteraves, il y avait des clémentines, il y avait, je pense, du pickled ginger. En tout cas, là, c'était un mélange de toutes sortes d'affaires, mais comme ça goûtait le ciel. C'était trop bon. Fait que ça a fait différent. Par contre, je suis contente que j'ai pris une mayo épicée de plus parce que je trouvais que le burger était encore meilleur quand que tu dippais ça dans la sauce. Puis, là j'avais vu qu'il y avait des pizzas de dessert, mais comme j'ai pas pu résister. Il y en a deux ça. Il y en a une que c'est... Là j'aurais dû regarder parce que j'ai les noms. Il y en a une qui est plus, le gars m'expliquait, c'est plus comme des fruits tropicales avec de la menthe, des fraises, pis ça. Puis l'autre, c'est fraises bleuets avec du basilic, puis une sauce à l'érable. Non, ben comme checkez-moi le cheddar. Oui, ben, ah oui, et checkez-moi. Puis ça, là, c'est sur une. Je vais te mettre sur toi. C'est sur une galette de riz mixée avec du cream cheese frit. Y a-tu quoi de pas bon que j'ai nommé? Comme ça, tout là. Puis ça venait en deux galettes. Puis ma mère avait venu manger avec moi. Ça fait que j'en ai donné une. Puis elle a dit. Elle avait pris le. Nacho, parce qu'elle aime pas le poisson cru, c'est qu'elle avait pris le nacho crevette. Puis elle avait pris les mini burgers, mais c'était comme végétarienne, c'était avec de la menthe puis d'autres ingrédients. Elle a adoré ça aussi. Après cela, elle avait pris le Tao Chicken, un bol avec du riz, puis elle avait pris des spring rolls, je pense. En tout cas, elle en avait trop pris parce qu'elle a mangé le nacho, un petit nacho, puis les mini burgers pâte épine. Mais elle aussi, elle a dit que c'était vraiment bon. Mais quand que j'ai fait goûter ça, parce que moi j'ai dit que je ne le mangeais pas tout de suite, je voulais manger avec vous autres. Elle a dit que c'était la meilleure chose qu'elle avait mangée au monde, puis que ça détrônait qu'est-ce qu'elle venait de manger. Ça fait que mes attentes sont hautes. Ça fait que. Il n'y a aucune bonne manière de commencer ça. On va juste plonger dedans. Là, je l'ai mis au frigidaire. Ça se peut que c'est juste ça. Juste parce que je voulais le manger avec vous autres. Puis, je voulais aller chercher le carrosse parce que j'avais dit à la femme que j'allais être là à 6h. Puis finalement, Pierre-Luc, quand il est arrivé, il était 5h30. J'ai dit, finalement, je vais être là vers 6h30, 7h. Fait qu'il fallait que j'allais chercher ça avant. Mais j'y vais. Comme, checkez-moi ça, comment c'est beau! Comme, non. Trop débattement. Ok, on y va! Oh my god! Oh my god! Comme ça goûte zéro le riz. Ça goûte comme si que je mangerais comme un gâteau avec des garnitures comme ça. Retardé, trop bon. Oh my god. T'as pris une grosse bougie. Oh my god.
Puis avec le basilic dessus. J'aurais jamais pensé mettre ça sur un dessert, mais c'est trop bon. Oh my god. Comme sur une échelle de 10, là, je pense que je lui donne comme un 15. Comme sérieusement, c'est juste trop bon. Fait que je vous le conseille. C'est bon. J'ai juste pas d'eau bon. Et la petite sauce, hein. Trop bon! Fait que je vais me retenir, là. Je le mangerai peut-être devant vous autres. Sinon, je ne parlerai pas vraiment. Essaye une déco nouveau. Mais elle est décollante pour une drive. Quoi d'autre? J'avais fait tenir une batterie. Ça faisait un bout que je demandais à Pierre-Luc que de me commander une batterie pour le fameux 4 roues qu'on a acheté à Malik dans le temps des fêtes. Mais avant les fêtes, qu'on n'a jamais acheté de batterie. Finalement, on voulait le donner à Noël, mais comme il n'y aurait pas pu s'enjoyer avec parce qu'il neigeait dehors, puis c'est des 4 roues à batterie. Ça râle pas bien, ça n'a pas grand traction sur la neige. Puis, finalement, là, quand le beau temps est venu, je voulais lui donner à sa fête. Ça n'a pas marché ça non plus. Là, finalement, il n'y a plus de neige. Je m'avais dit qu'on allait y donner. Puis, attends pour la batterie. Puis, elle va jamais arriver. Fait que j'ai pris les grands moyens, puis j'ai commandé une batterie. J'ai pas commandé la bonne batterie. les intentions de là, j'avais. Je croyais avoir commandé la bonne, mais finalement, c'est pas la bonne. Fait que là, Pierre de côté chez le voisin, puis il a apporté la vieille batterie qu'il y avait dedans, puis ils vont vérifier au magasin s'il y en a. Fait qu'on n'ira pas faire de drive à 4 roues aujourd'hui. Je pensais vraiment y donner ça. C'est comme pouit-pouit parce que je vais aller marcher avec mon nouveau carrosse. Puis Malik aurait pu prendre son 4 roues, mais bon. Ça va aller à demain ou après-demain, dépendamment si ils ont des batteries disponibles. Fait que c'est pas mal ça de notre journée. Là, je viens de coucher la pitouine. Puis les gars seront pas longs. Puis là, je pense que les gars vont faire du camping avec moi dans le lit. Parce que Pierre-Luc travaille de nouveau demain. Puis il snooze. Il adore snoozer. Puis ça me réveille. Fait que puis ça réveille les gars. Fait que il va aller coucher dans la chambre des gars. Puis les gars vont coucher avec moi. Puis la petite. Parce que je vais avoir une chambre belle. Donc on va pas dormir. On se croise les doigts que personne réveille personne. Mais je pense. Pour toi, j'ai pas l'impression que j'ai parlé beaucoup. Mais en même temps, je peux en parler beaucoup. Mais en tout cas, c'était mon lundi. Je pense que je vais conclure le vlog ici. Je vais aller manger mon restant de dessert. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. J'espère que vous allez avoir aimé ce vlog ici. Puis qu'il ne sera pas trop court parce que je ne sais pas comment j'ai filmé. Fait que on va se revoir dans un prochain vlog. Puis encore une fois, je vous remercie de m'écouter. Fait que je vous dis à la prochaine. Bye!